Coucou, salut à tous, bonsoir. New family. Je commence avec la musique de mon chéri. Je vous ai dit que j'ai des actifs. Écoutez cette mélodie. Show me your love maker, show you all over, baby, baby, yeah. Je suis avec l'artiste de la chanson. Baby, I go die for you, oh, oh. You'll be my dream, I go die for you, die for you, baby. Baby, I go die for you, oh, oh. Baby, I go die for you. Je suis avec l'artiste de la chanson. I go die for you, die for you, baby. Allez taper sur YouTube New Family. Le titre c'est Vamijo. Baby, tell me what you wanna do, yeah. No courage when you're young, but when now, yeah, baby. Even you, I want to give my life, oh. Hey, yeah, hey, I go be your driver. Anywhere you go, I take you, go, baby. Oh, yeah, everywhere I say is true, oh, oh, yeah, baby, yeah. Baby, yeah, lady, yeah, baby, oh. Face. I can't stop loving you. Yeah, I want to marry you. Hey, yeah, yeah, yeah. Don't need you, my lady. I'm going to come. Don't need you, my lady. I'm going to come. Yeah, yeah. Don't need you, my lady. I'm going to come. Don't need you, my lady. Famijo, oh way, baby. Famijo, oh way, yeah, yeah, oh, 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 oh. C'est pas merveilleux ça? Alors cours vite et va visualiser le chant sur YouTube sous le nom de New Family. Allez, quickly, go! Baby, oh, oh, yeah, baby, yeah. You're moving the sky to my head, oh, oh, baby, yeah, yeah. Just waiting for you. And you show me your love, we can show you. Oh, 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 yeah, baby, baby, yeah, yeah. Baby, I go die for you. Oh, baby, I go die for you. Oh, oh. You be my dream. I go die for you. I die for you, baby. Baby, I go die for you. Be my dream, I go die for you, I die for you, baby. Baby, baby, let me see your face. I can't stop and love you, yeah. I want to marry you, hey, yeah, yeah, yeah. Baby, let me see your face. I can't stop and love you, yeah. I want to marry you. Lady, I'm alone,
Notre connexion, mais ça va pas, nous sommes désolés. Avec l'artiste de cette chanson, allez sur YouTube et tapez New Family. Cette belle mélodie, coucou, c'est pas joli, c'est pas agréable à l'oreille, dites-moi. J'espère que oui. Aujourd'hui, j'ai fait la grande fille et puis j'ai un tout petit peu chippé la princesse de ma fille de l'anniversaireuse, comme ça. Maman, la fillette, c'est ça aujourd'hui. Du coup, comme je vous l'ai dit sur cet écrit sur le direct, aujourd'hui, je vais vous faire ma biographie 3. Je suis désolée si la connexion ne marche pas trop bien, mais quand même, ça ne va pas nous empêcher de faire ce que nous avons à faire. Et vous allez devoir m'écouter attentivement, vraiment très attentivement. Et j'aurais aimé que ceci vous apporte quelque chose de bien, aide quelqu'un à s'en sortir. À chaque fois, je vous dis, je ne suis pas là pour raconter ma vie pour rien. Je raconte ma vie pour que cela puisse aider quiconque à s'en sortir. Donc, si vous voyez que je viens étaler ma vie privée et que ça n'a pas d'importance, je suis désolée à ceux qui pensent de la sorte. Du coup, je ne peux pas vous respecter ce que vous voulez que je fasse. Donc, je suis là toujours pour ma biographie et c'est le 3 aujourd'hui. L'autre fois, je me suis arrêtée au niveau de qui a gagné dans le pari de moi et de mon chéri, qui a donné le juste rendez-vous, le juste date de la naissance de mon fils, et c'était mon chéri, oui, c'était lui qui a gagné. Donc c'était la première grossesse et il a fait moins 10 jours et ça a tombé juste, c'est lui qui a gagné. Ce que j'ai à vous dire, vous voyez les jeunes filles d'aujourd'hui, quelqu'un va dire c'est moi qui ai proposé au monsieur qu'on fasse un enfant, juste c'est moi. C'est parce que je veux, lui aussi il voulait. Et quand j'ai abordé l'idée, il a tout de suite accepté, ça s'est passé comme ça. Mais aujourd'hui, vous ne demandez pas l'avis du mec avant de tomber enceinte. Juste parce que si je tombe enceinte, il va m'épouser impérativement et puis je serai là et c'est moi, des trucs comme ça. C'est ce que vous faites aujourd'hui et c'est tellement bad. C'est tellement méchant, c'est tellement chiant. Et après, ce sont les enfants qui ramassent les pots cassés. C'est cruel ce que vous faites aujourd'hui. Si tu tombes sur un mec que tu vois, et ça va chez lui, et machin, manchon, là, tu as envie de tomber enceinte pour le garder. Mais je suis désolée, c'est pas ça. C'est pas comme ça, on garde un homme. Si ça va, il peut te prendre comme époux et épouse, et puis vous allez vous marier, même si vous ne vous mariez pas, déjà, ils seront en train de dire, oh, ça va, on peut faire un enfant, et imaginez quelque chose, lui donner un nom. À chaque fois, si le mec s'amuse de la sorte avec vous, vous devez systématiquement savoir que hein, ceci,
si je tombe enceinte, ça ne le gênera pas. Mais bon nombre de filles, même si le monsieur ne t'en veut pas comme épouse, tu dis, ah bon, il est huppé, hein, bon, c'est, c'est ce que je veux, hein, il me correspond. Hein, donc, mais des fois, les hommes côtoient des filles, certaines filles, pour se distraire ou ils viennent de sortir de quelque chose de très terrible. Il y a une fille qu'il aime, qu'il a déçue, et pour se ressaisir, la première venue, sans rien penser, sans rien dire, bon, il le prend comme ça. Et après, toi, tu dis, c'est ça, j'ai trouvé ce que j'ai envie de trouver, c'est ça, Dieu merci. Et puis, tu tombes enceinte. C'est une erreur. Grave erreur. Ne répétez pas ça. Ne faites pas ça. OK? Ne faites pas ça. Du coup, je veux en venir. Je vous ai dit l'autre fois que je ferai tellement vite pour vous dire les circonstances qui m'ont conduit au Liban. Donc, je suis là. Et après ça, raison pour laquelle je vous ai tout raconté pour en arriver là aujourd'hui. Et je sais que vous allez en profiter aussi pour vous en servir de bonnes choses, de leçons, beaucoup de choses. Du coup, la première fois, pourquoi est-ce que j'ai été au Liban? Eh oui, c'est ça. Pourquoi j'ai été au Liban? J'ai été au Liban en 2012. En 2012, la première fois. Et la seconde fois, c'était en 2018. Oui, en 2018. J'ai su arrêté en classe de 3e. J'ai pas eu mon BEPC. J'ai pas mon BEPC. J'avais terriblement de maux d'yeux. Mes yeux me faisaient mal, vraiment mal. Je ne voyais presque pas et ça a tellement traîné, ça a foutu du bordel dans mes études. Avant, bien avant même que je ne tombe enceinte, ça n'a rien à voir. Mes études se sont dandinées à cause de mes yeux avant que je ne tombe enceinte, des trucs comme ça. Du coup, c'est ce qui a fait que je n'ai pas pu être à l'école. On a vraiment, vraiment, vraiment fait d'efforts et ça n'a pas beaucoup donné. Donc, ça m'a tellement gâché les études, tellement profondément. Mais aujourd'hui, vous voyez, dans la vie, l'homme propose, Dieu dispose. Et j'ai mal. Avant, j'avais tellement mal. Mais aujourd'hui, ça va. J'ai plus mal. Parce que seulement, je n'ai pas les diplômes sur un bout de papier. Mais dans ma tête, venez, les masters, les licenciés, les maîtres, venez, venez. Dans ma tête, ça va plus que quelqu'un qui n'a pas le BEPC, je vous dis. Et moi, ce n'est pas parce que j'étais à l'école, j'étais fainéante, non. J'ai fréquenté la référence. La référence. À Gouedemakoué, au niveau de... Maintenant, tout est goudronné, c'est devenu très visible au bord des rails. Il y a un petit bar, ils appelaient, tout est bien, des trucs comme ça. Maintenant, la référence, ça se fait très bien voir. En allant de la route d'Assiéyé, la nouvelle route goudronnée, jusqu'en allant vers l'échangeur. Oui, donc il y a une école là, une école qui s'appelle la référence. Oui. Il y a une école qui s'appelle la référence, j'ai fréquenté là. Et à l'école, mais non, ma connexion. À l'école, tu peux dire, oui, nous sommes dans la même classe, moi et à Javon à Élé. À moins que tu es dans les 10 premiers. Ouais. Parce que ça, c'est mon catégorie, quoi. C'est là que je rôde. Dans les 10 premiers. Je ne suis pas fainéante à l'école, non, non. Même aujourd'hui, mes amis qui ont des masters, des trucs comme ça, ne peuvent pas se moquer de moi. Parce que je n'étais pas fainéante, je ne suis pas fainéante.
Je suis bosseuse. Eh ouais, je brille. Dans les tableaux d'honneur, je suis. Sont pleins sur Facebook, mes amis. Mes collègues, le fondateur me connaît. Quiconque me connaît à la référence, dites à Javon et elle seulement. Tout le monde me connaît. Parce que, vous voyez, j'ai laissé une trace. Et les enfants fainéants, personne ne te connaîtra. Du coup, mais moi, à la référence, on me connaît. Oui, on me connaît. Le fondateur et sa femme et qui ne me connaît pas. Je suis brillante, tellement brillante. Oui, très intelligente. Dans ma classe, on peut être dans la même classe, moi et toi. Mais si tu ne rôdes pas dans les 10 premiers, même si tu me vois passer, tu ne peux pas dire c'est ma camarade. Parce que nous sommes dans la même classe, mais ça ne va pas, on n'a rien. Non, je rôde, je bouge, je converse avec des gens de les 10 premiers. Maximum, je vous fais des 20 premiers et ça va. Après tout, non, ce n'est pas ma taille, c'est ça. C'est ça, moi. Du coup, laissez tomber que c'est parce que j'étais quoi bête à l'école, je n'étais pas intelligente, c'était plus fort que moi, des trucs comme ça. Non, 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 ce n'était pas ça. J'ai une très bonne mémoire. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, j'ai vu un de mes cousins qui... Il doit passer le BPC. Donc, je lui ai dit, est-ce que vous apprenez maintenant? Il m'a dit, toi, tu apprends. OK. Histojo, première définition, la révolution industrielle. Dis-moi. Dis-moi cette définition. Il m'a dit, quelque chose de deux lignes. Et c'est fini. J'ai dit, quoi? Bon, c'était juste. Seulement, ils l'ont simplifié aujourd'hui. Et j'ai dit, mais vous, avec vous, mais ça va, c'est gentil de faire comme ça. Parce que tout ce registre, c'était trop long, des trucs comme ça. Et je l'ai dit, bon, il m'a demandé, en notre temps, c'était quoi? Et je l'ai dit, que c'était beaucoup. J'ai dit, oui, beaucoup comment? J'ai dit, tellement beaucoup. Même la première page, tu feras la moitié avant de donner la définition de la révolution industrielle, surtout avec les gens qui ont des écritures un peu gros là. Ça bourre la première page, seulement la définition de la révolution industrielle. Je l'ai dit, en notre temps, ils nous ont dit, la révolution industrielle est l'ensemble des procédés techniques nouveaux qui ont vu le jour en Europe dans la seconde moitié du 19e siècle et qui ont permis le développement de ce continent grâce à la découverte de nouvelles sources d'énergie comme le pétrole, la rouille et l'électricité. Il m'a dit, quoi? Et bien, j'ai dit, c'est ça, c'était ça. Donc, arrêtez de dire que j'étais quoi? Je n'étais pas à Décon. Non, 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 je n'étais pas à Décon. J'ai fréquenté, je suis à la maison, je suis tellement... Ça, c'était ça. Il rigole. Ah, je n'étais pas ce que je vous ai dit. Non, non, non. Je n'étais pas toujours... Pas du tout ça, je ne t'ai rien de tout ce que je vous ai raconté. Bref, donc sur Facebook, vous aimez coller des trucs, des sales trucs. Donc, pour vous dire que je m'en fous, je m'en moque. Absolument, ça m'est égal. Quand on me dit je suis gazé coton, quand on me dit je suis quoi, ça m'est égal. Du moment où ça enlèvera A sur mon nom et je redeviendrai Yélé, pas Ayélé, Yélé. Là, je vais dire quoi? Non, non. Mais si c'est seulement insulte, insultez-moi. Moi, je ne suis pas ça et vous m'insultez, ça me fait mal. Oh, je vous dis, dans votre vie, vous savez ce que vous devez faire. Vous devez dire, soit la personne vous insulte, c'est la vérité. C'est juste ce que la personne dit. Et dites, et ça passe. Soit la personne vous insulte et ce sont des baratins. Et puis, vous dites, en quoi ça me concerne? Ça, je n'ai rien, aucune idée de cela. En quoi ça me concerne? Et vous vous taisez, et vous rafraîchissez vos cœurs. Et c'est ça. Mais là, c'est faux. Et vous dites, où est-ce que vous allez? ABC est là, tension est là. Juste, tu es en train de faire co-co-co tension, où tu es? Il dit, je suis là. Tu es en train de faire co-co-co ADC, où tu es? Et je suis là, pas chez moi. Non, avec moi, non.
pas ça. Mm-hmm. Du coup, c'est ça. Et j'ai eu mon fils. Et puis après, les trucs aussi, j'étais comme ça, j'étais fâchée, je voulais devenir sage-femme, et j'essayais, tout ne marchait pas. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Un jour, mon fils aussi s'est attaché à sa grand-mère maternelle, une dame que j'estime beaucoup, que je remercie tellement infiniment, une belle-mère comme une mère, une belle-mère sur mille. La connexion. Une belle-mère que sur mille, elle serait la seule. Sur mille, ma belle-mère, elle serait la seule. Peut-être il faut ajouter 2000, 3000 pour en trouver encore. Sinon, sur mille, j'en ai la certitude qu'elle est la seule. Ma belle-mère, oui. Donc avec mon fils, elle n'a vraiment pas donné le temps. Et puis... mon fils s'est attaché à elle et des trucs comme ça. Un jour, j'ai dit... vous voyez, j'ai mis au monde mon fils le 25 novembre. Le 25 novembre. Et le 25 décembre, c'était Noël. Nous sommes sortis, moi, son père, mon beau-frère et la copine de mon beau-frère, ma belle-sœur et le copain de ma belle-sœur. Sans rien dire à ma belle-mère, nous sommes sortis. Avec mon fils, on est sortis. Elle sillonnait les bars jusqu'à nous retrouver là où nous sommes. Et puis, elle a tendu le bras, elle a pris l'enfant et puis elle est partie. Je vous ai dit qu'on a nos chiens chez nos parents respectifs, mais on a loué quelque part, nous, pour... comme ça. Du coup, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle nous fait comme ça? Donc, nous sommes partis se coucher là où on a logé et elle est restée avec mon fils. Le lendemain, elle a dit qu'elle a déjà de l'eau, du lait dans son sein. Ça vient de l'eau, ensuite ça s'est transformé en lait. Donc, je peux aller n'importe où je veux. Maintenant, elle peut nourrir l'enfant et tout et tout. Progressivement, elle nous dit, bon, si vous voulez un autre enfant, allez faire ceci. Celui-ci, c'est à moi, des trucs comme ça. Et l'enfant l'aime énormément. Et puis, j'ai pas de problème avec mon fils. Et c'est comme ça que ma belle-mère me l'a arraché. Donc, je suis comme, j'ai pas eu d'enfant. Et je suis, tout le monde me demande, eh ben, ouais, ton fils, c'est comme ça. Et un jour, comme l'école n'allait pas et tout, j'étais tellement fauchée et puis nerveuse, des trucs comme ça. Et dire que moi, qui est tellement brillante à l'école, a des problèmes comme ça, je ne supportais pas cela. Donc, un jour, on mangeait ici, même j'ai dit à ma mère, « Ma mère, maman, tu sais, j'ai envie de voyager. » Oui, j'ai tellement envie de voyager. Elle m'a dit, « Ma fille, tu veux voyager ?» Je n'ai personne nulle part. Je n'ai personne nulle part pour t'amener chez là, cette personne. Je n'ai personne pour t'envoyer. Où est-ce que tu peux aller maintenant? Je te comprends. Je te comprends. Je t'ai dit, laisse ça. Laisse ton cœur. C'est ce que Dieu programme sur nos vies qui arrive. Laisse ça. Arrête de te maltraiter de la sorte. Arrête. Des gens trouvaient d'autres choses. Tu es en vie, ça ira. Ok? Donc, ma mère m'a calmée, mais au fond, non, franchement, j'ai envie d'aller tellement loin pour reprendre un peu l'esprit. Du coup, la première des choses que ma mère m'a demandé est que, et ton fils, tu peux le laisser partir? J'ai dit, maman, où il est mon fils? Où il est? À chaque fois, il n'aime pas rester avec moi. Il est avec sa grand-mère. À chaque fois, il ne reste pas avec moi. Il est avec sa grand-mère. L'essentiel est que une personne de sa famille passe. Mon fils arrête de téter et il suit cette personne. On ne le voit pas chez nous. Je n'ai pas de responsabilité de maman à faire envers mon fils. Je n'ai pas eu cette occasion. Non. Non. Du coup, j'ai dit à maman, je veux partir. J'en peux plus. J'en peux plus. Je veux partir. Elle m'a dit, ok, j'ai compris. Je vais voir. Franchement, je n'ai qu'une idée.
d'où je peux t'envoyer. Je n'ai absolument aucune idée. Je vais voir. Après quelques semaines, elle est revenue et elle m'a dit aujourd'hui, quand elle était au marché, il y a une dame qui a parlé du Liban, des ci, des ça. Mais il y a une fille, une de nos cousines, qui est là. Elle croit bien qu'elle a une fois entendu son père parler de qu'elle est au Liban, des trucs. Qu'elle n'est pas sûre, mais elle va demander voir si cette cousine est toujours au Liban ou comment. Et on va voir comment est-ce qu'on va faire. Du coup, elle a appelé le papa de la fille. Et l'oncle a dit, effectivement, elle vient d'arriver, ça fait à peine 5 jours, donc elle est au pays. Et si c'est comme ça, ma nièce veut, je peux appeler ma fille et elle viendra vous raconter comment et si ça se passe là. Donc, quand elle est venue, elle m'a dit en vrai, tout ce qui se passe au Liban. Elle m'a rien caché, que c'est l'enfer. C'est dur, c'est ci, c'est ça. Mais le poids que j'ai ici me disait, quelles que soient les circonstances, je dois aller quelque part. Si je refuse là, j'ai nulle part d'autre à aller. Du coup, j'ai dit, bon, tu sais, je peux supporter. Hein? Je vais me débrouiller, je vais tenir, je vais essayer. Donc, elle m'a dit, ok, courage, je suis de retour moi, mais je vais repartir. Et peut-être on va se voir. Et peut-être, on ne peut pas se voir parce que les conditions, c'est tellement pas... Non, it's not easy. Du coup, c'est comme ça, ça s'est passé. Et puis, la première fois, je me suis rendue au Liban. Ouais, c'était ça. Ou ma première fois, c'était ça. C'était ça. Donc, aujourd'hui, je vais m'arrêter ici. Et après, quand je suis au Liban, ce qui s'est passé, comment ça s'est déroulé, jusqu'à quoi, et ni, je vais vous raconter. Ok? Et je crois que vous avez entendu quelque chose, vous avez pris note, et si vous avez ces problèmes, voyager vous fera passer des moments difficile, des trucs comme ça, ou quoi faire, vous voyez, donc c'est le chemin, c'est la routine, c'est par ça, et je me suis débrouillée pour aller au Liban, donc... c'est ça. Prochainement, si je ferai ma biographie, ce serait au Liban maintenant, quand je suis arrivée, comment ça s'est passé, comment on m'a reçu, comment ça a été, comment nanani, comment nanana. Et j'espère que dans ça, je serai un peu plus... Parce que là, maintenant... Eh bien, ça va. Je ne sais pas trop. Ok, donc on se dit